Bonjour à tous, c'est Takard, j'espère que vous avez la pêche. Je vous propose aujourd'hui de voir un petit peu ce que nous réserve l'extension de Total War Warhammer qui s'intitule The Realm of the Wool Elves, en d'autres termes le royaume des elfes des bois. Parce qu'après moi, ma campagne principale que j'ai jouée avec les nains, j'ai décidé de passer à l'ennemi, si on peut dire. En incarnant les elfes des bois, qui était une faction qui était hélas manquante. Alors c'est vrai qu'elle est particulière dans le background de Warhammer, dans la mesure où il n'y a pas, dans le sens humain ou nain du terme, un royaume avec des frontières bien établies, mais qu'il y a des foyers par contre elfiques dans les forêts. Mais on a quand même une forêt principale qui est le domaine d'Athel Loren, où résident les elfes des bois. Et alors ce domaine est jouable. Et il y a aussi Arguelon, qui est l'autre faction qui là du coup est plutôt la terre, vous voyez, des hommes arbres. Alors en pratique hein, dans la. Ça change pas grand chose puisqu'on retrouve les mêmes unités. Donc des dryades et des gardes sylvains, des forestiers, et la cavalerie par exemple hein, qui est montée sur des cerfs plutôt que sur des dadas. Ce qui change en fait, c'est en fait votre dirigeant de faction tout simplement. Et si on ouvre les fonctions, c'est pas présenté de la même façon. Mais bon, les mécaniques restent les mêmes, les unités restent les mêmes, et simplement aussi l'emplacement change sur la carte. Alors on peut jouer évidemment les elfes dans la grande campagne, hein, où ils vont s'insérer en plus sur l'univers déjà existant. Qui est à mon avis la façon la plus sympa de les jouer, parce qu'il y a une petite campagne qui est proposée avec l'extension, une campagne scénarisée, où on est entouré donc de différentes factions elfiques qui d'ailleurs sont pas forcément en paix, hein, qui peuvent se mettre sur la gueule légèrement et qui sont pas forcément copines non plus avec vous. Le terrain est à ce moment-là un peu plus limité. On joue pas sur un domaine aussi grand, hein. Allez, vous voyez, là on se retrouve ici avec Paravon, on a des orques là, enfin bref, je vais vous ouvrir la carte de la diplomatie, ce sera un peu plus clair pour situer. Voilà, donc on a Quenelle ici, Montfort, donc des tribus orques là, d'autres tribus orques, Aquitaine, vous voyez qu'on voit qu'on est quand même un peu au sud de la map, hein, par rapport à au vieux monde complet. Donc on a ici vous voyez, le duché de Brionne, le duché d'Aquitaine, le duché de Bordelot, la Gasconie ici, donc on s'insère dans cette zone. Donc c'est plus limité, on a un peu plus des factions un peu plus divisées. C'est-à-dire qu'on a pas mal de factions secondaires humaines en fait qui nous entourent. On n'est pas en contact direct de l'Empire. Vous voyez donc là, on a toutes ces factions avec lesquelles on a réussi à faire copain-copain et à s'échanger des biens. Alors, pourquoi j'ai pris Arguelon qui commence à cet endroit-là, tandis que, vous voyez, les elfes sylvains, si vous prenez Athel Loren, vous débutez ici. C'est qu'en fait, le scénario vous confronte à des vagues successives d'hommes bêtes. Donc c'est sympa parce que ça fait aussi la jonction avec l'extension sur les hommes bêtes qui a été sortie. Et ces hommes bêtes en volent donc aux chênes des âges, hein, qui est l'arbre sacré à absolument défendre. Alors certes, quand vous prenez les elfes sylvains, vous commencez au voisinage direct du chêne des âges qu'il faut défendre. Mais par contre, je dois dire que sur la première campagne que j'ai faite en les prenant, c'est une campagne difficile, hein, je me suis fait wipe, mais en 21 tours. Top chrono, 21 tours, j'ai pris un mur d'hommes bêtes. J'ai juste rien pu faire, je me suis fait terraformer. Donc je me suis dit, on va essayer de jouer à Arguelon, qui est un peu plus au nord, on verra où passent les hommes bêtes. Alors est-ce que ça a un rapport avec ma position, ou avec ce que font les autres factions en parallèle, la manière dont elles mènent leur vie? Mais pour le moment, les hommes bêtes en fait sont globalement passés comme ça, et sont rentrés dans cette zone-là. Donc j'en ai eu à affronter, hein, j'ai eu quelques armées, mais je me suis jamais retrouvé tout seul, et j'ai eu les autres armées elfiques qui m'ont beaucoup aidé, ce qui n'était pas le cas de ma première partie. Et donc ça m'a permis de me développer, et vous voyez, j'ai pu descendre bien au sud, en fait, tout simplement en récupérant des terres que les hommes bêtes avaient défoncées, parce qu'ils se font pas chier, hein. Ils prennent une ville, enfin ils prennent pas la ville, ils assiègent la ville, et ils la démolissent. Quoique, je sais pas si on peut parler de ville pour les elfes. on a des spécificités qui sont assez sympas, quand même, niveau gameplay. Sur la carte de campagne avec les elfes,
C'est que par exemple, moi un truc qui m'avait un peu gavé dans Total War Warhammer, par rapport aux autres Total War, c'est qu'on pouvait pas conquérir exactement en fait les villes qu'on voulait. Par exemple, bon, l'Empire pouvait assimiler d'autres factions humaines mineures. Les nains pouvaient assimiler pareil des factions naines. Moi j'ai joué les nains, donc on pouvait assimiler des factions naines, prendre les villages des orques, s'en emparer et donc les convertir. Mais par exemple, quand je me suis tapé avec les morts-vivants, je ne pouvais pas purifier la zone et m'emparer en fait des villes des morts-vivants. Donc c'était un peu restrictif, je trouvais, dans la campagne. Et là par contre, les elfes ont ce truc sympa qui est que là, il y avait une ville qui était démolie. C'était une ville humaine qui appartenait à Paravon, qui s'est pris masse hommes bêtes qui sont passés par là, qui lui ont un peu terraformé la bouche. Et à ce moment-là, moi j'ai pu la reprendre. Mais comme c'est une ville humaine, donc pas une ville elfe, en fait je peux créer un avant-poste. Et l'avant-poste, donc, il va avoir beaucoup moins de possibilités d'évolution, mais je peux m'en emparer et lui attribuer des bâtiments qui sont spéciaux, qui sont propres aux avant-postes et qui vont procurer des bonus dans la région. Et ça, je trouve ça sympa, parce que les elfes ont cette possibilité donc de s'emparer des terres de n'importe quelle autre race. Et ça apporte un plus nouveau. Autre chose qui est sympa, c'est la gestion en fait de l'ambre que vous avez en ressources, voilà, qui est là. En plus de la thune, vous avez l'ambre. De la thune, comment je parle? En plus des pièces d'or, très cher, en plus des pièces d'or, vous avez l'ambre. Alors, l'ambre, à quoi il sert? Tout d'abord, il y a le chêne des âges. Le chêne des âges a besoin... Non, je ne vais pas annuler la construction... C'est pas grave, je peux pas vous montrer. En fait, il a plusieurs niveaux d'évolution, chaîne des âges. Et chaque niveau d'évolution coûte de plus en plus d'ambre. Plus chaîne des âges a évolué, plus il apporte des bonus. Réduction d'entretien, réduction de corruption chaotique, vous voyez, bonus d'ordre public. Et des garnisons qui sont plutôt bien fournies et vous allez en avoir besoin avec les hommes bêtes. Parce qu'à partir du moment où le chaîne des âges est détruit, la campagne est terminée. Merci, au revoir. Et donc l'ambre va être investi dans le chaîne des âges, massivement hein, dans le chaîne des âges. Mais l'ambre va aussi servir à la recherche de certaines technologies. Parce que là j'ai des technologies, vous voyez l'arbre est assez particulier. Donc j'ai des technologies qui sont ici, qui me prennent juste du temps de recherche. Et toutes les parties extérieures, vous voyez, consomment de l'ambre. Donc il va falloir faire un choix. C'est que si je veux rechercher certaines d'entre elles, je vais devoir claquer de l'ambre, que je vais pas pouvoir mettre dans le chaîne des âges. Mais c'est pas tout parce que ce serait trop simple. Il y a aussi des unités elfiques, là j'en ai pas à vous montrer puisque je ne les ai pas en ma possession à ce stade de la campagne. Donc des unités elfiques qui consomment de l'ambre par tour en entretien. Donc si vous voulez les avoir, vous allez consommer de l'ambre. Alors c'est... Voilà, tout ça donc est un petit peu particulier. Et à ce moment-là vous me dites, mais comment on obtient l'ambre? Alors il y a plusieurs façons de faire, mais notamment ça va s'obtenir par la diplomatie. Et par... En occupant certaines terres et en passant des accords. Vous allez voir, par exemple, ici, cette faction vous fournit de l'ambre selon vos traités. Parce qu'en fait, dès que je vais prendre cette faction-là, hop, je vais faire une offre. Si elle accepte de devenir vassal, bing, ambre. Rejoindre une confédération, ambre. Alliance militaire, qui est pas présente là pour le moment comme option, ambre. Tout ça va me donner de l'ambre. Obtenir certaines zones va me donner de l'ambre. Donc du coup, en fait, on est obligé de composer avec cet ensemble de paramètres pour savoir comment on va faire évoluer son royaume. Et c'est plutôt pas mal. Au début, ça paraît obscur hein, quand on l'explique. Moi, la première fois que j'ai lu l'explication, j'ai rien capté. Hein. Mais en fait, ça se fait de manière relativement claire. À partir du moment où vous multipliez les traités, vous allez avoir des revenus d'ambre. Et donc du coup, vous allez pouvoir évoluer. Donc voilà pour le principe. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur ce tour? Pas grand-chose, je crois. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Mon armée revient. Donc, il y a aussi donc des agents là qui sont donnés dans la campagne. Donc, nous avons une amadriade. Bon, c'est une dryade. Hein. Là, elle est occupée à me donner de l'ordre public, elle encourage la population, c'est sa fonction hein, quand on utilise déployer le héros. On a un petit gars qui est assez sympa, William, mon petit gars, qui est là, voilà. Qui est le tireur embusqué, c'est l'assassin en fait, hein, c'est l'assassin des elfes, qui est assez sympa. Qu'on peut aussi, évidemment, tout ça rentrer dans les armées.
Au niveau armée, les elfes sont assez particuliers. C'est qu'ils sont globalement extrêmement fragiles. Je veux dire, il y a des batailles. Je me suis fait. J'ai vraiment du mal. Parce que moi, j'ai joué avec les nains qui étaient assez lents, assez tanks. Ou franchement, une armée naine. On la joue plutôt sur la défensive, en plaçant ses tireurs, ses arquebusiers, surtout son artillerie dans les bonnes conditions pour décimer l'adversaire, avec ses lignes de guerriers lourds qui tiennent et qui bougent pas. Quand on passe aux elfes, c'est un peu autre chose. C'est que là, on a des unités qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus mobiles, et par contre, qui sont en mousse. Mais vraiment en mousse de chez mousse. Donc ça demande plus de mobilité, forcément, de fait. Les archers ont cette particularité de pouvoir tirer en mouvement et de pouvoir se camoufler aisément. Donc c'est vraiment une armée d'embuscade et de harcèlement, où on a des unités d'archers qui peuvent être montées à cheval, qui peuvent être montées sur des aigles, et qui sont donc extrêmement mobiles et qui font très mal, puisqu'en plus les archers vont utiliser des flèches magiques ou empoisonnées. Et donc on a un style de jeu qui est complètement différent, et aussi on a énormément d'unités qui ont la capacité en fait de se déployer en dehors de la zone de départ. Quand vous débutez une bataille, vous avez une zone restrictive pour vous déployer, et beaucoup d'unités ont le talent d'avant-garde qui leur permet d'aller un petit peu ailleurs. Mais tout ça, on va le voir sur une bataille, donc je vais passer quelques tours. Et voilà, on a avancé de quelques tours. Maintenant, j'ai dégagé un petit peu de revenus qui me permet d'avoir des options de construction. Donc du coup, on va voir un petit peu l'arbre des elfes. Vous voyez qu'en fait, à la place de ville, ce sont des clairières, bosquets, arbres creux, hall, grand hall. On a une série de bâtiments défensifs qui sont spécifiques, hein, qui sont des garnisons. On n'a pas de fortifications. Hein. Les elfes, c'est pas leur cam. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on peut produire du vin avec les vignes, qui fait des ressources économiques. On peut faire grandir la colonie. Qu'est-ce que j'ai à cet endroit? Non, allez hop, c'est toi que je veux. Donc voilà, c'est pareil ça. Donc garnison de gardien éternel. Je vais essayer d'ouvrir le menu bâtiment, ça sera plus sympa. Donc on a en soutien militaire donc toute une série de bâtiments qui comptent des forges et aussi, vous voyez, des branches ou des racines. Tout ça, c'est très très arbre, hein, qui vont débloquer des héros spécifiques. En défense, c'est le mur de la forêt, vous voyez, c'est la forêt qui vous protège. On a évidemment toute une série de branches militaires. Il y a beaucoup de branches militaires, hein. Parce qu'on va avoir quand même donc des guerriers faucons, vous voyez. Donc pour la partie des unités aériennes. Ça c'est sympa. Je les ai pas encore eu là, mais c'est assez sympa. Donc on a les branches de riade, la cavalerie, l'infanterie et forcément les archers. Ça fait un peu beaucoup de monde et un dragon. Alors là, ça, j'avoue que j'ai hâte de voir ça en action. Un dragon des forêts. Je pense que j'ai peut-être plus de chances de le trouver en fait en faisant une grande campagne qu'en faisant la petite campagne comme ça. Donc différents temples. Vous voyez, donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont spécifiques aux elfes. De l'artisanat aussi qui est spécifique. Et donc toujours des unités, hein, sur la thématique nature. Qu'est-ce qu'on va faire évoluer? Ça c'est quand même ma zone, c'est pas ma zone capitale, si, c'est de là où je suis parti, le palais des chutes. Je peux augmenter sa garnison, mais surtout j'ai vu un truc qui m'intéressait, c'était de faire passer cette ville au rang 3. J'ai pas de chance encore, j'ai pas eu de province entière. Sur la précédente partie j'avais eu une province entière avant de me faire rouler dessus. Et a priori, les elfes ne peuvent pas. J'avais pas l'option pour avoir des édits, en fait, comme on a sur certaines autres factions de base. Je sais que c'est le cas chez les hommes, chez les nains, on peut avoir des édits. Chez les contes vampires et les orques, j'avoue, je ne sais pas du tout. Je ne les ai pas joués. Mais là, quand j'ai eu ma zone complète, visiblement, les édits n'étaient pas disponibles. Donc on va construire, augmenter ça en attendant. Et j'ai vu que j'avais ce petit gars qui fait bien son boulot. Et vous voyez, on a aussi donc toutes des branches de talents spécifiques. Et tout, que ce soit les agents
ou les généraux, votre chef de faction, tout est très, très orienté magie. Il y a beaucoup de magie, beaucoup, forcément moi chez les nains la magie c'était pas leur truc, mais là il y a beaucoup d'unités qui utilisent des sorts de la nature, que ce soit des sorts de protection, de soins ou même des bons sorts à effet de zone, avec des flèches qui tombent et qui bombardent la zone. Alors, que me veux-tu, toi? Alliance militaire. Voilà typiquement une situation que je vous disais où je vais gagner de l'ambre. Bah évidemment que je la veux, l'alliance militaire. Tiens, viens, tes copains. Bing! Ça fait un allié en plus. Allez, qu'est-ce que tu veux, toi? D'accord. Eh bah oui, allez, bing! Envoie l'ambre. Le vil étant du seigneur des bêtes, la Et voilà, corruption et de la une nouvelle mutation vague émergent de de seigneur l'ombre des pour bêtes. faire pleuvoir sa destruction sur Atel-Loren. Nous ne pouvons pas le laisser réaliser ses désirs, Dourtou. Ouais, Il bah, se dirige j'espère que je vais vers les le chef arrêter ce des coup-ci parce que la vagues deuxième vague, et là, elle laisse arrive plus ses portes tard, hein, derrière sur la lui. première partie, mais la Nous ne deuxième vague, c'est pouvons celle qui pas m'a le laisser roulé dessus, réaliser quoi. ses désirs, Dourtou. Ça a été assez dégueulasse. Donc, on va voir ça. Si... Où il est où mon assassin? Il est là, bah, ça tombe bien, il est juste au milieu. Si je pouvais essayer de zigouiller quelques généraux vite fait en pas méchant, ce serait quand même sympathique. Ah boum, ça fait en moins. En espérant qu'à chaque fois il retrouve en fait, des généraux qui ont moins de talent, hein, forcément. Alors voilà, mon chef de faction évolue. Alors voyez, hein, beaucoup de magie, beaucoup beaucoup de magie. Pour le moment, je monte ça. Ah, donc une épée spéciale hein, qu'il a eue sur cette branche. On a certains dirigeants elfiques, enfin généraux elfiques. En fait, on peut leur donner un cheval au lieu qu'ils soient à pied. On a plein de petites choses qui sont pareilles, qui ont une nouvelle orientation, qui sont beaucoup plus orientées magie et nature. J'ai rien pour l'équiper, hélas, le pauvre bichon. Par contre, je sens que je vais avoir besoin d'unités en plus. Donc recruter des unités. Qu'est-ce que je peux te donner, mon grand? Oh. Ah, vous voyez, typiquement, consommation d'ambre. Afin de recruter cette unité, ce montant d'ambre sera déduit de votre provision totale. Donc oui, je vous disais des conneries, hein. C'est pas, ça consomme pas de l'ambre par tour. C'est de l'ambre quand on achète l'unité. Ouais, c'est bien, mais j'ai déjà pas beaucoup d'ambre, donc on va éviter. Par contre, il faut absolument que je lui remette des unités de dryade. Donc je vais lui en mettre 3. Parce que c'est ma seule infanterie là pour le moment. Et j'ai une autre armée qui elle est ici et qui a pas grand chose, la pauvre bichonne. Elle qui recrute que des gardes. C'est monté court, c'est vraiment une armée secondaire ça. C'est vraiment une armée secondaire. Donc bah, j'espère que cette fois les elfes vont un petit peu s'unir et faire quelque chose de plus potable. Pourquoi cette faction tout le monde veut l'attaquer? Je suis bien avec, je comprends pas trop. Mais bon. This is Athel-Loren, home of the Oak of Ages and the Azray. Voilà, pacte de non-agression. J'ai pas envie d'aller l'attaquer cette faction. Alors... On va se coordonner, on va essayer de se coordonner. Et de les envoyer un petit peu eux aussi quand même au casse-pipe, parce que faut pas déconner. Faut pas déconner. Ah, c'est ce qu'ils viennent en plus, c'est comme ça en masse. C'est waouh! Rejoindre la guerre contre Paravon, mais non, j'ai. Non, tu vois, j'ai pas vraiment pas que ça à secouer, quoi. Ah, je vais faire une alliance militaire, c'est tout. Bing, ça fait de l'ambre encore. Alors, quête en cours, épée de Death, c'est l'épée que j'avais choisie pour mon dirigeant.
Battre 5 armées ou garnisons. Bah oui, ok, pas de soucis. Alors j'espère qu'ils vont un petit peu faire leur taf quand même. Oui, il en est, le chêne des âges. Ok, ah, il m'en faut 9. Il me manque un nombre pour monter d'un rang. J'ai vraiment intérêt à monter d'un rang. Vous voyez, le dernier rang 24, ça pique un peu beaucoup. J'ai vraiment intérêt à économiser de l'ambre parce que je sens que ça va piquer sinon. Mon petit assassin, s'il pouvait continuer son travail de sape, ça m'arrangerait. Il peut pas l'assassiner, lui, il est trop dur. Ah, je peux que bloquer. Bon, bah bloque, hein. Bon, échec, c'est pas grave, il gagne un niveau. Ça craint du boudin, quand même. Oh, elle est nombreuse cette armée, elle est trop nombreuse. Je vais essayer de me planquer ici. De me mettre en mode embuscade. Et peut-être de lui renvoyer encore un petit peu de monde à ce coco. Ah merde, du coup il est en recrutement, il n'est plus en embuscade. Dilemme, 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 dilemme. Bon bah je tente le coup. Il est sympa quand même mon boss, hein. À chaque fois votre soif de gloire maker, j'adore. Rejoindre la guerre, non, arrête de me saouler, je ne rejoins pas la guerre contre Bidule. Tiens, à chaque fois, plutôt que de refuser, je leur propose un truc inacceptable. Alors, toujours des petits événements. Nos cousins... Oh, bah, j'ai déjà eu cet événement, donc on a des elfes qui se pointent, tralali et patata. Oui, allez, les accueillir. Alors, est-ce que lui, je peux l'attaquer? Il est isolé tout seul, mais j'ai peur d'être en sous-effectif. ...50% de chance d'être assassiné, allez on y va, bim, succès, on fait un de moins. Oh là là, non j'ai vraiment pas intérêt, oh là là j'ai pas intérêt. Et voilà ce que je redoutais, c'est que je me suis fait péter sur la carte mon armée principale, et qu'on arrive à la bataille autour de notre arbre, qu'il fallait absolument défendre. Et que je n'ai pas réussi à défendre, puisque les armées, mes alliés, comme les miennes, en fait, se sont fait déborder par la Harde, qui ont réussi à percer plein sud sans que la majorité soit arrêtée. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'enfermer là-dedans, là, en espérant qu'ils viennent s'écraser sur les défenses. Et merde, ma cavalerie n'est pas bien cachée, forcément ça commence mal comme ça. Si ma cavalerie lourde n'est pas bien cachée... Par contre, j'ai ces unités d'archers montées que je vais envoyer de suite harceler l'adversaire. Parce que les archers montés elfes peuvent être très très chiants. Alors l'idée c'est que normalement ils sont obligés de passer là s'ils veulent m'affronter. Vous voyez, ils utilisent des flèches empoisonnées au niveau des pointes de lumière stellaire. Oh, purée. Ça commence pas bien cette cavalerie-là, j'avais pas prévu qu'elle se fasse attaquer comme ça. Voilà, il y a tout ça comme cavalerie. Oh,
Oh d'accord. Ouh, bon en fait j'ai super mal joué d'entrée. Ok, bon, bah, j'ai fait du caca. J'aurais pas dû envoyer ma cavalerie. J'aurais pas dû envoyer mes archers aussitôt. Bon, au moins ça divise l'effort pour tenir sur cette zone. Mais ça tiendra jamais. C'est même pas. Oh, finalement, s'ils se sont dégagés. Ok, on va pouvoir faire un truc. On va pouvoir y aller. On va d'abord attaquer ici. Oh bon, ici, ils sont condamnés, ils sont coincés. Ils se sont fait spotter dès le début, je les ai mal camouflés. Donc ma gueule. J'ai joué, alors là j'ai vraiment joué comme une merde. Vraiment. Oh, oh pff, d'accord, mes links déjà, ont déjà été percés. Les hommes bêtes, ils sont ultra violents. J'ai dit la campagne, cette campagne-là, elle est bien difficile, franchement. Autant la campagne principale, j'ai eu la victoire avec les mains sans trop de difficultés, autant là. Voilà, ça signe mon arrêt mort, vous venez de voir en direct bah, la fin de ma campagne, puisque l'arbre monde est foutu. L'arbre. Je dis l'arbre monde d'ailleurs, c'est pas l'arbre monde qui s'appelle. Enfin bon, il est foutu, on va voir... Un beau game over, oui, je me suis fait rouler dessus. Bon, ben voilà pour cette petite présentation de Realm of the Wood Elves. J'ai toujours pas réussi à finir la campagne de la donne. Je testerai bien les elfes dans la grande campagne, pour voir. Pour le moment, leur style de jeu me convient pas vraiment. C'est autant les nains, j'étais à l'aise avec eux, j'ai un peu joué l'Empire, ça allait bien. Autant leur style de jeu, ça me va pas. Ils sont trop squishy, et les jouer la mobilité, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien jouer les lignes défensives bien solides. Et là, j'arrive pas à le faire avec eux. Alors, est-ce que c'est lié aux hommes bêtes? Faudrait que je vois dans la campagne si on peut affronter autre chose. Parce que là, les hommes bêtes, ils me terrorisent à chaque fois. Donc bon, bah rigolez pas trop hein, en voyant mon bilan, et sur ce, bah à ciao et à bientôt.